Je ne peux pas commencer si je ne m'acquitte pas de ces devoirs pour remercier les hommes de Dieu qui sont là. Dire merci pour le sacrifice. Je veux quelqu'un, je veux quelqu'un, je veux un papa pour moi. Il vient tellement de moi. Je suis très contente de le voir. Lorsqu'il m'a appelé la journée, il m'a dit qu'il était là, je ne pouvais pas prier en fait. Parce que j'ai ça, j'ai pensé qu'il devait être là depuis hier, mais je ne l'ai pas vu. Ce soir, je suis très content de le voir. Amen. Amen. Il s'agit de Papa Philippe. Il nous vient de chaque fois. Il va travailler Je bénis Dieu pour sa vie. Il est même le rejoignant de Christ, un peuple de l'esprit. Amen. Alors, je l'aime beaucoup. Il est pour moi un ami, un confident, un papa. Et à ses côtés, j'apprends beaucoup. À ses côtés, j'apprends beaucoup. Et que le Seigneur bénisse sa vie. Je vois le prophète aussi, Christian. Il est là, papa, je vais te dire que il est sur le départ, je vais te présenter. C'est un peu. Amen. C'est bon que Dieu est bien. Chaque fois que je parle avec lui, j'apprends beaucoup. Si tu veux te suicider, tu me crois, je t'amène sur lui, tu changeras ta vie. Il est tellement sage. Amen. Il est sage, il a tous les sens de la parole de Dieu. Et il est aussi membre et serviteur. Pour l'Église, Christ, un peuple et le Seigneur. C'est avec nous aussi que nous sommes en train de servir le Seigneur. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, Aaron, fais-nous un jour. Amen. Amen. Et comme un jour, mon petit frère adoré, Seigneur, où tu entends l'homme de Dieu, le prophète. Je l'aime beaucoup. Tout chaque fois que je vois un ami, il est là. Même si je le souffre, il est toujours là. Que Dieu te bénisse. Donc, que Dieu te bénisse. Il faut pleurer que le Seigneur puisse agir. Alors, prenons la Bible, s'il vous plaît. Je peux voir votre Bible. Thank you.
va tenir sa Bible. Il y a une déclaration, c'est que j'appelle ça une confession de foi. Amen. Cette confession de foi, ça prouve ta détermination et ce que tu crois par rapport à cette parole. Amen. Cette parole n'est pas, c'est pas, la Bible n'est pas un roman en fait. Une lettre de demande d'amour et la lettre de motivation. Tout est dans cette parole. Lorsque le Seigneur te donne son identité et après il te dit ton total, c'est 3 mètres, voici je me tiens à la porte. Là il cherche un poste vacant autour de toi. Il dit et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors, tu vas te lever ta Bible, tu vas déclarer avec moi. On y va, ça c'est ma Bible. Ça, c'est ma je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce soir. Comme je vais l'écouter ce soir. Mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des fruits. Je le crois. Ainsi je le déclarerai. Qui me donne le plus grand amen qui le soit. Alors nous sommes dans Exode chapitre 32 à partir du premier verset. Exode 32. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. Le peuple vit que Moïse tardait, alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit. Lève-toi, fais-nous des dieux. Ma version, c'est 8 secondes révisée. Je pense que chacun de nous a sa version, c'est juste un problème de français. Amen. Amen. Mais ça dit la même chose. Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait monter dans le pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui nous est arrivé. Aaron leur dit, devait-ce les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tout le sang du peuple s'est fait des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il mettit l'or de leurs mains, le façonna avec le bras et fit un veau en métal fondu. Puis il dit, Israël, le voici de Dieu qui t'a fait monter ton pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il aura fait à l'honneur de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir. Voilà Dieu. Amen. Hier, nous avons essayé par la grâce de Dieu d'expliquer le plus grand problème du peuple. Amen. Comme nous avons reparti, on voulait prédire, d'abord reparler du peuple, et puis parler d'Aaron, et puis parler de Dieu. Donc c'est demain par la grâce de Dieu qu'on pourra donner l'objectif réel de ce message. Amen. L'objectif de cet homme, Aaron, fais-nous à Dieu. Si le Seigneur est bon, ne revient pas. Demain, nous serons là pour parler de ça. Amen. 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 Et je te rassure, lorsque si tu viens de Dieu et tu me regardes, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre frère Aaron. Deuxième point, Aaron. Amen. Je l'aime beaucoup avant. Je
l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la robe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant ici, avant et le sacrificateur et les grands frères de Moïse aussi, tous ici de la tribu de Lévi. Amen. Avant et l'homme que Dieu a mis, a donné à Moïse comme prophète. Amen. Parce que Moïse n'avait pas un langage facile. Lorsque le Seigneur demande à Moïse de venir délivrer le peuple d'Israël, Moïse ne pouvait pas parler devant le peuple. Alors le Seigneur lui a dit, Aaron sera ton prophète. Et Aaron était capable d'interpréter le langage de Moïse. Aaron est celui qui pouvait même interpréter le pétillement de Moïse. Lorsque Moïse tousse, Aaron sait ce que Moïse veut dire. Peut-être que si Moïse pleure, Aaron comprend le langage de Moïse. Parce que le seul qui pouvait parler facilement au peuple, c'était Aaron. Alléluia. Alors nous remarquons, avant que Moïse monte, il demande à Aaron de garder le peuple. Il dit au peuple, si tu as un problème, viens voir Aaron. Donc, Aaron a reçu la responsabilité. Ici, Moïse représente Dieu. Alléluia. Tu as établi tes serviteurs. La Bible dit, dans Éphésiens 4, mais il a fait des saints comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres les évangélistes. Le Seigneur, c'est lui qui a établi. C'est Dieu qui a établi. Il a établi des Aarons. Amen. Le Seigneur a établi des Aarons. Il a mis sa confiance dans les Aarons. Il dit alors, avant quand tu fais peur. Moi je monte, je veux revenir. Le peuple restait avec Aaron. Le peuple restait avec Aaron. Cher homme de Dieu, vous avez la responsabilité. Vous avez été responsabilisé par Dieu de veiller sur le peuple. Le Seigneur donne l'ordre. Avec le peuple de Dieu. Je savais aujourd'hui des amens, j'en aurai pas beaucoup. Je suis persuadée. Ce qui est sûr aujourd'hui des amens, il n'y en aura pas beaucoup. Est-ce que tu peux faire la différence et me donner un bon amen? Amen. Qu'est-ce que vous faites de peuple de Dieu? Avant de présenter le serviteur de Dieu, comme je vous ai dit. Cela que le Seigneur a établi comme le prophète. Le ministre de Dieu, de sa faute, le Seigneur a donné sa vie et il vous a dit garder ce peuple. Aujourd'hui, les ministres de Dieu, ce sont ceux-là qui sont capables de fabriquer les photos. Ceux-là que le Seigneur a établi, ce sont ceux qui sont en mesure de fabriquer les photos. Le style est changé parce que le temps que Dieu
Seigneur. Toi qui es censé nous affermir, pourquoi tu ne crois plus? Les hommes de Dieu qui amènent des enseignements, en fait, c'est qu'ils te sanctifient par ta foudre. Si tu reçois un enseignement qui n'arrive pas à te sanctifier, si tu reçois un enseignement qui te garde pas dans la voie de Dieu, si tu reçois un enseignement qui ne t'assermit pas, cet enseignement t'a foudre. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui n'est pas passé qui doit faire de leur vie. Pourquoi il a reçu les mêmes positions de main, les mêmes qui ont fait toute sa vie. Ça ne peut pas aussi de oh, je ne sais pas, de l'endroit où tu te trouves. C'est aussi une question de religion. Avance. Aujourd'hui, nous avons un problème avec le ministère de Dieu. Nous avons un problème. Le ministère de Dieu qui fait tellement apparaître au lieu d'être. Le sang de Dieu qui nous sont ces mots-là pour apparaître. Avez-vous reçu le Saint-Esprit?
Mais au fond, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous t'appelons serviteur. Nous t'appelons servante. Es-tu le premier aussi d'être appelé comme ça? Le problème, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est que tu es réellement. Mais là où nous ne sommes pas là. Est-ce que lorsque nous t'appelons prophète, les anges jouent les yeux et pour nous t'appelons? Dans l'idée, ah, c'est vrai que il y
m'insère ça, si je presse ça, il risque de prendre moi aussi. Au moins, ça va pas marcher. Carrément, je saute. On est capable de le prendre. Tu vois qu'il vit dans le mal. Tu vois que c'est tout le monde qui le patient. Mais tu ne peux pas le reprendre. Parce que c'est ta vie. Aujourd'hui, nous avons tellement changé l'évangile. L'évangile a pris une autre forme qui ne tient même pas de Dieu. Une forme superficielle. Tu sens même le peuple, ça fait 10 ans, 15 ans, il est dans l'église, il n'est même pas fermé. Il n'a même pas changé tout le bon comportemental. Tu regardes la personne, tu dis, tout, chaque fois la Bible, la parole qui sort, il va où? Le problème, c'est la source. Mon père, prophète Jimmy Bayer, Dieu, pour ceci. Le problème, c'est le pas, c'est que tu prêches. Mais le problème, c'est la source de ce que tu prêches. Amen. Tu peux nous prêcher la sanctification, mais d'où tu sors de la sanctification? Tu peux nous prêcher la repentance, mais d'où tu la sors? Le problème, ce n'est pas de parler, mais la source. Paul, en train de prêcher, il y a une femme derrière lui qui crie, écoutez-le, ce sont les hommes de Dieu. Les dieux sont descendus sur terre, ce sont les hommes de Dieu. Mais lorsque Paul regarde, il dit, esprit de Dieu. Est-ce que la femme mentait? La femme mentait? Ce n'est pas les hommes de Dieu? Mais quel esprit qui parle en elle? Encore. Exhorte. Est-ce que tu peux exhorter les enfants de Dieu? Être capable de dire la vérité au peuple de Dieu. Ne pas les arrêter. Ne pas avoir peur d'eux. Quand il y a même les choses ne marchent pas. Quand il y a même tout ce qui est fait, lui qui les fait. C'était le plus important hier. Nous tenons à l'arrière. Les sangs
de toi. Demande-toi si tu es prêt à souffrir pour Christ. Un homme de Dieu, le premier servant de Dieu, capable d'entrer dans des affaires compliquées pour gagner l'argent. Capable seulement de coucher avec cette femme-là, juste pour qu'elle te donne l'argent. Les moyens que tu cherches. Es-tu capable de souffrir pour Jésus? Est-ce que tu es capable de souffrir pour Jésus? Avant, on a eu peur d'être appuyé par le peuple. Avant, accepte d'abord que le peuple t'aime.
pour s'intéresser de moi. Incapable de dire la vérité. Parce que lui-même n'y croit plus. J'aimerais parler du retour de Dieu. Le temps de Moïse qu'il a passé à la montagne. Bien aimé, c'est le temps que nous sommes en train de traverser maintenant. Il y a des personnes qui pensent que le temps de la grâce est éternel. Non! Le temps de la grâce a une fin. Oh, le temps de la grâce a une fin. Le temps de la grâce a une fin. Moïse finira par descendre la mort. Que tu le veuilles ou pas, Moïse finira par descendre. Les retours de chez vous aujourd'hui, les communiquants des slogans, on pourra même m'arrêter. Et tu m'as dit que tu venais depuis que tu es parti. Non, je reviens bientôt. Eh, c'est le bientôt de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que depuis qu'il a dit qu'il revient, il ne revient plus. Il ne revient toujours pas. On ne voit toujours pas Jésus depuis qu'il nous a dit qu'il revient. La Bible dit qu'il n'est pas comme un voleur. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Amen. Ce n'est pas te parler en langue qui pourront te faire entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tes prophéties. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas la prédication dont je le fais maintenant. Non. La Bible dit ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il n'est pas encore à la fin. Tu commences déjà à relâcher. Tu n'es pas encore à la fin. Jusque-là, les choses sont encore normales. Toi, tu commences déjà à trembler. C'est pendant la Bible dit. Pas du tout toujours la Bible de Dieu. Quand il viendra maintenant où les hommes ne supporteront plus la foi de Dieu, mais auprès de leur propre Jésus, alors il est tellement gênant de tout Dieu, ils se tourneront de maître sur maître. Ils tous se détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers le pas. La vérité n'est plus supportée. Les trois romains ont de la guerre majestueuse. Ils ont une parole qu'ils ont choisie pour eux-mêmes. Ils ont plus écouté la vérité. Les problèmes, c'est que parents à ta ou à qui. Où sont les parents, les hommes et les femmes capables de dire la vérité? Il ne veut pas qu'on le la vie, il veut d'abord sauver sa vie. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui conservera sa vie, il la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi. La vie de la vie. Amen, amen, amen. Toi qui préserves ta vie, tu ne veux pas qu'on te salue à cause de Jésus. Tu ne veux pas perdre la commune, moi je ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Ma réputation, ma personnalité, mon chéra. Ok, tu sacrifies Christ à cause de ton honneur. Lorsque Dieu t'envoie, il t'approvisionne.
il te donne tout ce qu'il faut. Mais toi, avec une seule prophétie, tu as déjà souffert pour nous. Lorsqu'il te donne la scène. Thank you.
que tu fais. L'onction que tu as reçue attire tellement de choses. Ça dépend de la direction que tu vas choisir lorsque tu te sens loin. Ça dépend de ce que tu vas prendre comme décision de faire lorsque tu sens qu'il y a l'onction. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce que tu as? Qu'est-ce que tu fais avec l'onction que tu as? Le peuple attend, la Bible dit, le peuple attend avec une amende de vie, la révélation de vie. Où sont les vies? Où sont les vies? Où sont les vies? Où sont les vies de Dieu? Les vies de Dieu aujourd'hui nous disent d'être salis à cause de Jésus. Les vies de Dieu, quand tu veux que moi non, je ne peux pas. À Jean t'arrive toi. Non. Pierre était en prison combien de fois? Il n'a pas régné sa foi. J'aime la Bible. Lorsqu'on est avec, on est interdit de ne plus prêcher. Saint Jean parle des actes 3. On est interdit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Il dit, Pierre répond, si c'est toi qui es Dieu, j'arrêterai. Mais si c'est Dieu, je n'arrêterai pas de prêcher. Manger quoi? Oui,
Le prêtre m'a dit que toi tu dis souvent que le billet c'est 400, 350, 450. Il m'a donné 450 pour chaque personne, je vais l'acheter au billet. Oh non, c'est pourquoi je vais demander de m'attendre. Parce qu'on m'a payé, je vais te montrer on achète à 280. Je te montre on achète à 280 et puis tu vas acheter. Je lui demande, allez, le reste, on fait comment? Oh madame, il y a des restes, on partage. On partage. Je regarde la grandeur de mon Seigneur sur son trône. Je regarde que j'ai dit des fois, personne ne le croit. Mais je lève mes yeux, je me rends compte que le ciel est ouvert. J'ai dit, mais c'est pas un enfer. Je vais vous montrer que tu le montres chacun. Amen, amen. Tu vas restituer. J'ai dit, mais je suis désolé. Je vais acheter le billet au prix normal et je vais le trouver mon monsieur. Mais encore plus que lui-là. Si il me demande pourquoi je ne dirai pas que tu le prends. Souvent. Il a pris la chose incapable de regarder. Et puis comme c'est toi là, c'est un frère d'abord. On parlait en langue avec lui. On parlait en langue avec lui. Es-tu réellement chrétien là où tu es? Es-tu réellement un homme de Dieu? Lorsque là où tu sens pas là, est-ce que tu es un homme de Dieu? Dans ton travail, est-ce que tu es un homme de Dieu? Dans la main, est-ce que le jour où tu vas mettre dans la maison? Seigneur pardonne, Seigneur pardonne, Seigneur pardonne. Tu oses sur lui dire, je
pardonne, le Seigneur est juste et fidèle pour pardonner. Oui, il est juste et fidèle pour pardonner. Mais la conséquence, tu en payeras. Là, ne tombez pas la Bible. Papa, je ne sais pas si c'est la Bible, mais je n'ai pas encore lu, dis-moi. Tout est possible. Ton église là, il est parti sur quoi? Ton ministère est parti sur quoi?
quand tu prépares la prédication, tu dis, ah, ils sont dire aujourd'hui. Ah, tu réfléchis, tu dis aujourd'hui, ils vont me sentir. Ils vont me sentir. On n'a pas besoin de te sentir. On a besoin d'être sauvé. Alors prêche-nous. La repentance devient une règle enseignement lorsqu'on le prêche. Le peuple a comme l'impression qu'on les condamne. Le peuple voit comme si on ne les condamne pas. Normalement, c'est ce que papa Christian m'a dit un jour. Normalement, il y a tellement de choses qu'on avait parlé avec Dieu. Lorsque tu es sauvé, donc tu changes de vie. Lorsque le Dieu, en fait, c'est là que Pierre a prêché. Après, il vient, il demande à Pierre. Alors, Pierre, dis-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre dit changer de vie. Amen. Il dit changer de vie. Répondez-vous. Parce que la repentance de la vie devient un enseignement, une prédication de condamnation. Mais si aujourd'hui tu ne prédis pas, moi tu ne verras pas le Seigneur, tu viens chercher quoi ici? Viens rester chez toi. Il m'a envoyé un message. Tu sais que le pasteur Marcelo a vu en vision.
Le Seigneur lui dit, retourne, est-ce que tu es mort là? Je m'en pose les gens. Est-ce que je suis parti mourir pour que je prenne? C'est moi qui ai mort à la croix. Donnez-moi la gloire. Si réellement l'Éternel est Dieu, où est la gloire qui est Dieu? Si réellement ton Seigneur, où est la gloire qui est Dieu? Je suis
demain, ça monte plus fortement. Écoutez, chacun de nous connaît un rêve. Chacun de nous, il a un rêve. Il se prépare. Alléluia. Écoutez, si tu as un rendez-vous, tu vas bien te préparer. Tu vas vraiment te préparer. Et le problème est que ce n'est pas seulement la préparation que tu attends, mais tu peux te dire aussi que je dois aller dans ce monde. Mais je veux parler une façon. Jésus nous a donné un rendez-vous. Nous devons nous préparer parce qu'il viendra répondre à ce rendez-vous. J'aimerais que tout, chacun de nous, je ne sais pas quelle est la position que tu vas prendre. Que tu essayes d'arranger ton intimité avec Jésus. Tu essayes d'arranger ton intimité avec Jésus. Je ne sais pas que Dieu fait des choses. Je ne sais pas si tu reviens ce soir. Thank you.
Je t'aime, 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 je t'aime